Yo les potes, j'espère que vous allez bien les petits potes. Alors là on est dans une session avec peu de gens les gars. Pourquoi? Parce que là on est, j'enregistre à l'heure à l'heure à laquelle j'enregistre, on est samedi les gars. Et j'ai fait 2-3 sessions avant, il y a des modeurs partout, tout le monde fait tout péter. Donc on reste dans cette session chill parce que nous on a du boulot hein. On a du taf hein. Engagé. Et mince, faut que je passe à la boîte. Va falloir que je passe à la boîte. On n'est pas prêt pour le DLC là, donc il va falloir s'activer là. Je vais racheter une matière première. Parce que je vais me faire 2 millions là. Ok les gars, je vais continuer de remplir mon entrepôt de véhicules. Hein. Alors on se casse de là, les encas. Oui, j'ai vu vos commentaires les gars, on m'a dit qu'il y avait des encas à l'entrée de l'agence et aussi chez le concessionnaire de véhicules de Simeone. Alors ça c'est un truc que je savais pas, comme beaucoup de choses que je ne sais pas, parce que je ne sais pas grand chose en fait. Voilà. Bon. Allez, Michael Cup, amène-moi mon véhicule. Ah, il a la fourrière, secrétaire. Donc j'espère que la session va rester chillax, parce qu'aujourd'hui à mon avis ça va être beaucoup de farm hein, les potes. Oh, c'est ma Shotaro, bon c'est pas celle que je voulais mais... J'aurais pu commander un véhicule depuis la salle d'arcade, je suis teubé moi. C'est débile ce que je fais là. Alors j'espère que je vais pas avoir des missions dans le nord cette fois-ci. Il est hors de question que je puisse pas m'acheter les nouveautés du DLC. C'est hors de question. Trafic de véhicules. Alors, c'est quoi, mystère? Haut de gamme FMJ, ok, ça commence bien. Ok, c'est juste à côté. Impeccable. Il y a que des gros levels dans la session, j'avais pas vu. Ah non, il y a un mec qui est plus haut que moi, 403. Ah ouais. Éliminer les gardes pour trouver la clé, j'aime bien cette mission. Pas la clé. Pas la clé. Oh, oui. Oh j'ai mis une tête à une dame. Elle avait rien fait. Ok, la clé est là. Nice tout ça. Allez, let's go. Pleine balle les gars, pleine balle dans Los Santos. Je vous coupe les trajets quand c'est chiant les gars, hein, comme d'hab. Parce qu'il y a beaucoup de trajets là, donc... Et merde, je me suis trompé. Oh, ça m'arrange pas là. Je vais là. Allez, moins de 5000 de dégâts déjà, ça serait cool. Et voilà, vous avez vu comment il a accéléré? C'est fait exprès, c'est un script, je vous dis. Regarde. Allez. Et voilà, plus un, les gars. Donc, on risque d'avoir un nouveau véhicule, je pense, imposant, les gars. Avec le laboratoire portatif. Je suis dégoûté, ceux qui ont GTA+, ils vont l'avoir gratos, le truc. Ah, je suis dégoûté. Ça devient vraiment du pay to win, quoi. Allez, là, je vais me bouffer un cooldown. 1 minute 40. Voilà, les gars, on est reparti. Haut de gamme Sterling GT, let's go. Oh non. Oh non, s'il te plaît, hein. Elle est où la Sterling GT? Ok, elle est là. Impeccable. J'aime pas conduire la Shotaro. Putain, va falloir que je change de véhicule parce que j'ai pas envie de farmer avec la Shotaro, quoi. Ça me plaît pas du tout. D'ailleurs, je vais peut-être la vendre parce que c'est pas une vraie moto, quoi. C'est pas une vraie moto, c'est Sterling GT, un ou deux. Allez, démarre. Allez, bien à piloter la Sterling GT. Je l'ai pas dans mon garage, je devrais l'acheter, hein. Quand j'aurai les sous plus tard. Pas de gangster, roule ma poule. Bon, on va changer de session parce que je sens qu'on va trop se faire chier ici. Puis j'ai pas la foi de ramener encore 5 bagnoles d'affilée. Donc on va faire celle-là et on change de session. Voilà. J'ai combien de haut de gamme là? Alors, j'ai 7 haut de gamme. Ce qui est déjà pas mal. Ça fait 700 000 $. C'est déjà pas mal. Allez, on va respawn. Qu'est-ce qui est x2? Le truc d'amination c'est x2, on va respawn à la Maze Bank. Oula, session blindax les potes. Le coffre il est presque blindax. On va le vider tout de suite. Hop là, 200 000. Voilà, on est presque au 1,5 million. On sort de là. Faut juste le sortir, oui. Ouais, mais bon. La pop, elle est déjà à fond, hein. Alors, on va rouler avec une petite moto que je kiffe. La double T. La double T. QG, double T. C'est devenu ma moto préférée, les potes. Pourquoi il ne la fait pas paraître devant? Franchement, je vois pas ce que ça changerait. On dirait que Rockstar, ils veulent garder du réalisme. Faire genre, non, tu vois, la pop comme ça. C'est ton mécano qui te l'a garé. Mais on va faire le bonus ici, là. 100 000 $. Il y a un chrono aussi à faire. Il y a trop de trucs à faire. Roule ma poule. Ah, voilà, je suis... Tu vois, là, ce tarot, elle est plus rapide. Mais je préfère conduire ma double T. Voilà. Vite là, on porte de biens divers là. Export de biens divers. Attends, on enchaîne les gars, on enchaîne. J'ai bientôt le bunker à 2 millions hein, à faire. Ça va nous mettre du beurre dans les épinards. Putain, par contre, voilà les allers-retours que je me bouffe. On dirait que je fais des marchandises spéciales quoi. Bon, c'est pas grave les gars. Quand on choisit un véhicule qu'on aime conduire, il n'y a pas de problème avec les allers-retours. C'est ça qui est bien. Il y en a un, il lui dit j'espère que tu vas mourir. Pas très gentil ça. Et ton père aussi, oh le bâtard. Elle m'a perturbé. Allez les potes. D'ailleurs je crois que la mise à jour elle se terminera mardi quand le DLC va sortir hein. Donc du coup
enfin les promos de la semaine. Donc du coup faut en profiter quoi, on a que quelques jours je crois. Quand on va arriver là-bas, on va appeler le Terrorbyte, on va rechercher une autre gamme. Ben ouais, ça passait pas, mais c'est pas ma faute. Ah ouais, je suis pas prêt moi, 1,5 million. Ici on peut demander le Terrorbyte. On demande le Terrorbyte direct. Et voilà les petits potes. Plus 100 000, là. Allez, c'est pas fini là. Oh, le Terrorbyte est juste là, impeccable. Ah bah vas-y, mets ma moto dans mon dos. Allez les gars, putain, qu'est-ce que c'est long, les chargements et tout. Voilà, ça te coupe dans ton élan de farm. J'ai quoi là? Allez, haut de gamme. Haut de gamme, Roosevelt Valor. Oh putain, je la déteste celle-là. Grand Seigneur à désert. Oh putain. Oh là, je peux pas avoir pire comme trajet, quoi. Ah, ah ouais, putain, c'est chaud de rentrer des hauts de gamme. Mais bon, quand il sera full, je serai bien. J'espère qu'on va pas se faire attaquer, parce que là, la session, elle est blindax. Je rappelle que si je fais ça, c'est parce que va y avoir un bonus de session pleine quand tu vas vendre des véhicules d'export. Du coup, l'export va devenir grave intéressant. Donc, si je mets 10 hauts de gamme, ça me fera au moins 1 million. Je sais pas de combien il va être le bonus, mais bon. Si c'est comme la coke, ça va être grave rentable. J'espère que ça sera pas juste 10 000, quoi. Allez, on est sur l'autoroute, on a fait déjà une bonne partie du trajet. Vas-y, on va sortir là, les gars. Je sais pas ce qu'il me fait faire, le GPS, là. Il me fait faire un grand détour. Ça passe là dans les champs. Faudra passer au bunker parce que les surplus de d'armes, c'est aussi x2. Donc on a encore 100 000 boules à se faire. Les gars, il y a un modeur qui kick des gens. S'il me kick, je peux vous dire que je m'en bats les couilles. Je vais la chercher en me téléportant la caisse. J'en ai rien à foutre. Oh là là, ça va mettre 3 plombes. Je vais vous rappeler mon cargo Bob, non? J'appelle mon cargo Bob. Cargo Bob, il est sur l'aéroport de Sandy Shore. On y va. C'est bon, la crochet. Oh, ça va être long, les gars. Se taper toute la map comme ça. Quoique la Roosevelt Valor, elle va pas très vite. Alors, autant y aller avec un cargo Bob. Par contre, elle est trop lourde. J'arrive pas à prendre de l'altitude là. Ouais, elle est trop lourde. Ah, ils vont me faire fumer mon cargo Bob. Je sais pas si c'était une bonne idée de ce que je suis en train de faire là. C'est une idée de merde en fait, non? Je vous jure, je suis à fond sur l'accélérateur, j'arrive pas à monter quoi. Ah oui, on m'avait dit un jour, je crois, il y a une astuce, faut prendre de l'altitude avant. Oh, vas-y, ça y est, mon cargo Bob il fume déjà. Vas-y, changement de programme. Changement de programme, on va pas y arriver. Putain! Ah, c'est une galère la Roosevelt Valor à ramener. Voilà, je me fais laser. Je devrais rater des balles, les PNJ, c'est pas normal quoi, franchement. Regarde, il rate aucune balle. Bon, ça m'a toujours fait. Ça m'a toujours dégrossi une partie du chemin quand même, hein, le cargo Bob. Poussez-vous. Je suis dégoûté, ceux qui ont GTA Plus, ils vont avoir le nouveau laboratoire en x2 dès le début quoi. Je vais le prendre si ça continue. Non, je rigole, je le prendrai pas sur PC parce qu'il y a trop de modeurs. Donc Rockstar, ils ont qu'à. Je paierai un abonnement le jour où on pourra jouer sans tricher, sans tricheur. Voilà. De toute façon, on va y venir, hein. On va être obligé de payer au bout d'un moment. Hein. Après, moi, je préfère payer un abonnement plutôt que payer des charcards. Hein, parce que les charcards, ça part vite. Charcard à 70 balles, c'est 8 millions. Hein. T'achètes 3 voitures, tu les tunes, t'as plus de thunes. Voilà, ça s'est ramené. Les guerres commerciales. Ah. Ah, bah, ça farme un peu dans cette session. Faut que je passe au bunker pour 100 000 dollars. Et là, il y a un chrono, là. On fait bunker, chrono, on va y arriver. M'attaque pas, toi, m'attaque pas. C'est con qu'il y ait des modeurs sur PC parce que je vous jure qu'en termes de communauté, la communauté PC, c'est la plus chill, les gars. C'est pour ça que parfois je mets le bordel dans les sessions. C'est parce que si je mets pas le bordel, les gens sont trop chill. Et genre, parfois faut dynamiser un petit peu la session, tu vois. Faut créer un peu de fight. Sinon, c'est trop friendly, tu vois ce que je veux dire. Alors que sur PS5, t'as jamais ça. Jamais. Le peu que j'ai joué sur PS5, c'est pas friendly du tout. Tu te fais pas de potes là-dessus. T'as vu là, le mec il arrive, il klaxonne. Et il y en a plein qui sont comme ça. C'est con, hein. Franchement, les mods sur PC, les modeurs, ça gâche tout. Après, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de modeurs aussi que les joueurs s'attaquent moins. Ils ont peur de tomber sur un modeur, alors ils sont plus cheat peut-être. Ouais. Putain, il y a une guerre là. Il y a une grosse fight. Enfin, une grosse, je sais pas, il y a plusieurs gars qui se battent. Voilà les gars, on est déjà arrivé au bunker. Et voilà, ça c'est x2 normalement. Let's go. J'espère juste qu'il va pas m'emmener un ammunition à l'autre bout de la map. Oh punaise. Non, ça va. Ça nous fait retourner en ville. J'espère qu'il va pas m'attaquer lui. On dirait qu'il fait un braquage de banque, non? Il fait quoi? C'est bon, on a passé la partie chaude, les potes. Ça se tire à coup de lance-roquette. Celle-là, c'est la pire, hein, je trouve. Franchement, elle est pas ouf, cette mission. Enfin bon, c'est une mission de livraison normale, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les trajets sont longs, quoi. Après, pour 100 000 dollars, c'est pas dégueu. On demande le Terrorbyte. Normalement, c'est x2, hein. Déconne pas. Alors? Ouais, je crois que c'est x2, on a pris 100 000, hein.
Alors, du coup, j'ai demandé mon terabyte. Il est où? Il est là. On va retourner chercher une voiture. Ouf, ah ouais, là, c'est du farm pur et dur, là, que je suis en train de faire, les potes. Hein. LR, nouvelle voiture. Pas Signora Desert, s'il te plaît. Haut de gamme, Reaper, impeccable. La Reaper, j'adore la conduire, en plus. Un vrai délice. Un vrai bonus, j'ai envie de dire. Zone de départ de la course. Ok, mon pote. Ah, MK2 sur mon chemin. Je croise une MK2. Il fait rien. Il va prendre la prime. Ouais. Paletokov. Oh putain, c'est à l'autre bout. Ah, ils ont trop abusé sur l'émission. Ils les ont mis trop loin, quoi. Oh putain, après, j'ai ma vente de club de motards à faire, je crois. En tout cas, il faudra que je passe au QG. Et voilà, nous y sommes, les potes. Au bout de 3 minutes de trajet. Vas-y, abîme pas la caisse. Wesh. La Reaper, magnifique. Je l'ai, hein. Je crois que je l'ai déjà acheté, celle-là. Non, celle-là, conduire, c'est un vrai délice. Allez. Olé, ce qui m'a fait le PNJ, là. Ok, il y a du bombardier en ville. Elle est magnifique en violet. Putain, il y a une Bounty à gauche. Est-ce que je fais un détour? Vas-y, je fais un détour. Oh non, je peux pas. Non, je peux pas. Il va trop vite. Olé! Oh non, j'ai fait de la merde. Bon, c'est pas grave. C'est assez facile vu qu'elle est pas très rapide. Voilà. Oh putain, il y a la MK2. Coelho, ma parole. Non! Il m'agresse pas? Il m'agresse pas. Ouh, j'ai de la chatte. Voilà, nouvelle voiture, les gars. Maintenant, je pense qu'on va essayer d'aller taper le chrono. Par contre, pour le chrono, on va prendre la Kutsu Drag. Allez, les potes, direction le chrono. On se fatigue pas. On n'est pas fatigué. On en veut encore. Pleine balle dans Los Santos, les potes. 100 000 boules encore. Sachant que j'ai 2 millions dans le bunker. 500 000 dans la boîte. Je vais bientôt avoir 1 million de voitures à vendre. Donc ça commence à être vraiment pas mal là. Ah, on va croiser un char. On veut pas que le char m'agresse. Oh les putain, me tire pas dessus, fils de pute. C'est bon, je suis passé trop vite. Putain, la Akuchu Drag quand même est trace. Hein. Moins que sur PS5, mais elle trace. J'ai l'impression qu'elle va plus vite que la Shotaro. C'est moi ou. Voilà, le chrono est là. 58 secondes. Il faut aller où? Ça va, chrono facile. Allez, on va passer là. Bah, il n'y a pas de surprise en fait. Il n'y a pas de surprise, les gars, sur ce chrono. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin de couper ou quoi. Ah, il y a du trafic par contre, ça m'arrange pas. Au chaîne à droite. 10 secondes. Genre, je vais pas y arriver. Genre, j'y arrive pas, putain. Bah attends, les frérots, je vois pas ce que je peux faire de plus. Hein. Mais les choses, chrono, je vois pas ce que je peux faire de plus. J'ai fait ça, j'ai fait parfait, j'étais pleine balle. Peut-être en prenant là, non? Là, tout droit ici, puis à gauche. Ah là là, il va être serré. Faut que je roule plus serré à gauche, alors. Ah ouais, non, mais il est tendu, en fait. Olé, olé. Là, je continue tout droit. Oh, je l'ai eu, mais putain, je l'ai eu à que dalle, les potes. Ultra serré, hein. Alors, oubliez les gars avec une bâtisse. Si j'y ai du mal avec une Akuchu Drag, avec la bâtisse, c'est. Ouh. Oh, bah putain, j'ai le cœur qui bat là. J'étais à fond dedans. Bon, je vais aller jouer au casino. On a fait du bon boulot pour aujourd'hui. Il n'y a pas eu de fight, c'est que du farm. Et ouais, je me prépare, les gars, faut se préparer. C'est bien beau de faire le compte custom, de dépenser tout son argent, mais bon. GTA, faut récupérer la thune aussi. Hein. Là, on dirait que je me suis pas fait beaucoup, mais j'ai rentré quand même pas mal de bagnoles. Je pense que dans le prochain épisode, demain, déjà, on aura presque le bunker à vendre. Peut-être la boîte de nuit, on va. Oh non! Ah non, les gars, c'est pas terminé l'épisode. Les gars. C'est pas terminé, faut que je passe voir mon club de motard. Ma coke. Ah ouais, c'est pas terminé. Non, non, je vais faire. Je joue au casino et je vais voir le club de motard. Je peux lancer la roue. Allez. La voiture, c'est mort. On n'aura pas la voiture. 20 000 jetons. Ok. Impeccable. Voilà, ça nous fait toujours un 20 000 $ en plus. Maintenant, la coke. Ouais. Ah ouais, non, c'est pas terminé, frérot. C'est bon, les potes, let's go. On va presque passer les 2 millions. Presque. Je sais pas si la vente elle va être prête. Hein. On va voir. On loue le camion. Alors dis-moi que c'est bon, que je peux faire une vente à au moins 100 000 $. J'espère. Ok, pour 70 000 les potes, on va faire ça. Hein. On va se la faire. En plus, on aura le bonus de session pleine. On est 26.
C'est grave intéressant à vendre. Pour 105 000. Let's go. Quoi, c'est quoi? Hélicoptère. Ok, bah j'en ai qu'un, donc c'est bon. Allez, pleine balle les potes. On se motive, c'est la dernière ligne droite. Putain, évidemment, il y a un hélico. Il y a un joueur juste là. Putain, le bâtard, il va m'attaquer mon truc ou quoi? Enfoiré, va, je sais pas ce qu'il faisait, près de mon buzard. Vite, 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 décollage. Ok, lui, il va payer cher. Die Gurk, fils de pute, va. Oh putain. Oh là là. Je sais pas si mon hélico va tenir. C'est complètement de la merde que les buzards. Ok, mon hélico va pas tenir. Je vais retourner voir Die Gurk. Tant pis, j'ai perdu de l'argent. Die Gurk, nique ta mère. Il a quitté? Vite, vite, bah tu sais quoi, je vais changer de session. Pour sauver mon farm. Et je vais aller boire un verre à Vanilla, les gars. Et n'oubliez pas, hein, on s'appelle. Hein. On fera la vente demain ou un autre jour.